Loukéro, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis super excitée, je viens de recevoir ma box Loukéro. Aurélie adore la Click and Cheat, moi j'adore la Loukéro. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans de la Loukéro, mais moi j'adore la recevoir, j'adore recevoir la Loukéro parce que tout simplement ça me fait sortir de ma zone de confort pour les fringues qui sont dedans. Pour celles qui ne connaîtraient pas la Loukéro et qui arriveraient à ce moment-là, la box Loukéro c'est une box de vêtements, c'est-à-dire que vous commandez, vous vous inscrivez sur le site, ils vous demandent ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez recevoir, ce que vous ne voulez pas recevoir, etc. Vous avez plein de renseignements à faire et vous commandez des vêtements, donc vous recevez entre 4 à 5 vêtements ou accessoires il me semble. Vous ne payez rien, vous payez tout une fois, enfin vous recevez le colis et si vous gardez quelque chose vous les payez, sinon vous les renvoyez dans l'enveloppe préaffranchie qui se trouve dans le colis. Voilà pour la petite histoire. Donc comme je vous disais, Aurélie est grande fan de Click and Fit. Moi je suis grande fan de Loukéro. Et pourquoi j'aime Loukéro comme je vous disais? Parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Parce que je reçois des choses dont je me serais peut-être pas intéressée en boutique, mais qu'au final en l'essayant je trouve que c'est plutôt pas mal pour moi. Et beaucoup, alors oui, je voulais faire un retour à ce sujet. Beaucoup me disent à chaque fois dans les vidéos, que ce soit Click and Fit que j'ai déjà fait ou Loukéro, je le lis aussi dans les commentaires des vidéos que d'autres personnes peuvent faire sur ces box, c'est trop cher. Arrêtez de dire c'est trop cher. On est de toute façon en ce moment dans la vibe c'est trop cher, tout est trop cher pour tout le monde. Il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions. Certes vous pouvez trouver des fringues moins chères ailleurs, mais il y a un moment, allez dans les boutiques quoi, allez dans les boutiques et vous verrez que les prix correspondent. Certes si vous allez chez Kiabi, chez Kiabi ou chez Lal, ou encore que Lal maintenant il y a des prix assez élevés, ou que vous commandez sur des sites pas chers ou sur AliExpress ou sur Shein, tout ça, ok c'est pas cher, mais est-ce que les fringues ont la même qualité que dans des boutiques comme je sais pas moi comme Lacoste ou comme Adidas ou tout ça? Là c'est des fringues de marque que l'on reçoit dedans, donc forcément les prix sont plus élevés que ce que vous pouvez trouver en boutique traditionnelle comme Kiabi ou tout ça. Voilà, c'était mon petit point de vue là-dessus. Arrêtez de dire que c'est trop cher. Certes, il y a des trucs qui sont chers, mais arrêtez de dire que tout est trop cher, c'est pas vrai. Ce sont des marques, donc c'est normal que le prix soit en conséquence. Voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que j'en ai un peu marre d'entendre toujours c'est trop cher. Faut arrêter de dire allez, toujours ça. On y voilà. Va, on va ouvrir. Loukéro, c'est parti mon kiki. Donc, vous avez un petit truc. Hop, comme toujours, qui se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez les planches de style. Vous avez une petite carte avec recommander et gagner 10 euros. Donc, mon lien de parrainage est en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et hop là, la petite facture et le petit mot de Virginie cette fois-ci. Alors, Virginie, que me dit-elle? Enchantée de vous revoir sur Loukéro, je suis Virginie, votre nouvelle personal shopper. Dans cette box, vous retrouverez 5 vêtements soldés et de la nouvelle collection, un bon moyen d'attaquer l'hiver avec style. Donc, elle me dit quoi? Pour votre première tenue, je me suis orientée vers un style boho casual. Pas mal. Pour cela, je vous propose le t-shirt kaki de chez Gabriel avec un caraco en dessous, associé au pantalon slim ciré noir de chez Juna Rose. C'est une blague. Et le sac à main en cuir de chez The Bock, une tenue qui vous apportera une allure chic et tendance recherchée sans perdre le confort. Elle sera parfaite pour une soirée entre amis. Alors si réellement il y a un pantalon en slim ciré noir encore une fois dans la box, je crois que je vais faire un malheur. Pour votre deuxième look, pour celles qui ne comprendraient pas, je vous remets la vidéo de la dernière box dans le petit coin. Pour votre deuxième look, j'ai sélectionné une robe fleurie de chez Zézé avec une jolie ceinture qui s'unira parfaitement votre silhouette pour un look tendance et féminin parfait pour n'importe quelle occasion. Et pour finir, je vous envoie la blouse marine de chez Street One pour porter avec des jeans et vos bottines fétiches, vous serez au top. J'espère que ma sélection vous plaira. Belle journée et bonne nouvelle année, Virginie. Alors, hop, on y va tout de suite, on regarde, hein. Donc tout est emballé dans du papier de soie. Alors, premier article que je retire. Bien sûr, je vous ferai les essayages, hein, comme d'habitude. Je suis désolée si la luminosité est pas très très bonne. Ce matin, j'ai filmé pas mal de vidéos. La luminosité était pas trop mauvaise, mais là, je crois que la luminosité se barre un peu. Et il commence à être un peu 15h, donc on est l'hiver, quoi. Waouh. J'adore la couleur. J'adore la couleur et le motif. Donc c'est une robe un peu aubergine, on peut dire, avec des fleurs. Elle est comme ça, les manches sont trois quarts je pense. C'est une robe qui m'a l'air assez droite par contre.
Hop, je préfère les robes taille empire, Virginie. Voilà. À tester, à voir, dans le dos vous avez une espèce de petite goutte. Donc la robe est de la marque Zézé Nordique, c'est du 3XL et c'est une robe qui vaut 49,98€. Donc à voir après, je vous dirai si c'est soldé ou pas. Donc on va voir, j'essaye tout de suite ou on fait comment? On fait comment? On va essayer la robe tout de suite. C'est juste horrible. J'ai l'impression d'avoir 90 ans et d'avoir mis une chemise de nuit. Non mais sérieusement, sérieusement. Autant elle était très prometteuse, autant là c'est pas possible. Au niveau du haut c'est mal taillé, les manches sont immenses et le truc il va pas du tout. Enfin la coupe elle me va pas du tout quoi, c'est beaucoup trop long. La coupe est immense, il n'y a pas de forme. C'est pas joli du tout, du tout, du tout, du tout. J'aime pas du tout et ça je garde pas, c'est sûr. Ensuite, deuxième article, nous avons... Ah, ça doit être la fameuse blouse dont elle parlait. Alors, c'est une petite blouse de la marque Street One en taille 48. Taille 48, c'est bien ça. C'est du... alors c'est marqué 48, là ils mettent 4XL. Sur l'étiquette 48 français et sur le truc là ils mettent 4XL 39,99€. Alors la matière c'est un espèce de... C'est comme ça partout. Ça n'a pas l'air d'être comme ça partout. Alors le devant c'est un tissu qui n'est pas extensible. L'arrière c'est un tissu style t-shirt extensible. Et les manches c'est un tissu style t-shirt extensible. Alors là au niveau du col vous avez un petit motif bleu blanc rouge que d'un côté. Ouais, il a l'air assez long, peut-être un peu trop long et un peu trop droit. Ouais, on va essayer. Bon bah écoutez, autant les deux dernières boxes m'ont beaucoup plu, autant celle-là j'ai un peu de mal. Voilà, ce type de col, j'avais déjà dit que ça ne me mettait pas en valeur et on repart sur ce type de col. Les cols V, les vrais cols V. Ça m'enferme mais j'aime pas du tout. Et ce truc-là, il est beaucoup trop long, il est... Je sais pas, j'aime pas du tout. Voilà, il me va, hein, sinon le niveau de la taille et tout, c'est bon. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais la coupe, elle est pas belle. J'ai l'impression que c'est mémérisant, c'est trop long, c'est pas beau. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, on continue. Donc là, ça doit être le look dont elle m'a parlé au tout début. Alors, nous avons le petit top. Oh, ça c'est joli. Ça c'est joli tout plein. Un petit t-shirt comme ça, vert kaki. Il est très très joli, très simple à l'avant. Mais par contre, à l'arrière, vous avez la petite bande comme ceci qui est très jolie. Donc elle dit avec à mettre un caraco en dessous parce que c'est vrai que c'est un peu transparent quand même. Mais il est très beau. Alors celui-ci, c'est de la marque Gabrielle Molly Bracken. D'accord, Molly Bracken, je connais, j'ai des chaussures de cette marque et j'adore cette marque. C'est la taille LXL. LXL et ça vaut 36,95€. Ouais. Je ne mets pas d'habitude ce prix dans un t-shirt. Voilà, je ne vais pas dire c'est trop cher. Enfin, si, c'est trop cher pour un simple t-shirt. Autant je peux le mettre dans un pull qui a l'air très sympa. Autant pour un t-shirt... Ah, c'est ouvert également sur le côté. Vous voyez, comme ça. À voir, à tester. Donc ça, elle me le propose avec... Alors là, je suis un peu chafouine. Je suis un peu chafouine, beaucoup chafouine même, parce que ce pantalon, c'était pas un Juna Rose la dernière fois. C'était pas cette marque-là, mais j'ai bien précisé la dernière fois que je voulais pas de pantalon en espèce de cuir comme ça. Que je n'aimais pas, que ça ne m'allait pas, et ils me remettent la même chose. Donc là, je suis pas contente du tout, du tout, du tout. Changer de styliste, ok, mais j'espère un peu que les stylistes regardent un petit peu... ce qu'on met dans ce qu'on indique, parce que là je suis pas contente. Je suis pas contente. Je vais l'essayer quand même, mais je suis pas contente. Donc voilà, il est comme ça, plutôt sympa. Bon, toujours le même bruit, je pense. Hein. C'est un Juna Rose. C'est une taille 48 à première vue. Oui, c'est ça, 48. Au niveau du prix, on est à
Hop, est-ce qu'il y a une étiquette sur Juna Rose? On est à 59,99€. Ok, bah écoutez, il est joli, hein, sinon il est sympa, à l'arrière il est sympa aussi, les poches sont bien hautes, donc je pense que ça doit faire de jolies fesses, mais voilà quoi. J'ai dit la dernière fois que je ne voulais pas de pantalon comme ça, et ils m'en remettent, hein, et là je suis pas contente. Bon, bah écoutez, je crois que ce sera un flop parce que ça c'est trop grand, voilà, c'est trop grand, c'est pas joli. J'aime beaucoup le t-shirt en lui-même, ce qu'il donne avec les petits côtés ajourés. Même à la limite, vous voyez, moi ça me dérangerait pas de le porter sans rien en dessous parce que je trouve ça joli. Mais c'est pas hyper non plus si c'est un petit peu. Mais bon, l'été par exemple avec un petit short en jean. Clin d'œil à l'abonné qui m'en a parlé dans les commentaires il y a pas longtemps. Je trouve ça très sympa, mais là il est trop grand quoi. Enfin, c'est pas joli à ce niveau-là. C'est, il faudrait que ce soit plus maintenu. Ouais. Non, 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 non. Là, non, ah, c'est pas fini. Ah oui, elle m'a parlé d'un sac, je crois. Donc ça doit être ça. Pour aller avec la tenue pantalon et... Oh, il est très joli. Il est très, très joli. C'est un sac comme ceci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait un peu penser au... Un peu un effet oriental, je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'Orient. Donc c'est tous des clous noirs comme ça sur le devant. Le sac est... Ouais, ça va se remettre ça. Il y a un petit coup là, mais ça va se remettre. Il est comme ça, très très joli, franchement assez sympa. Ça sent le cuir, donc je pense que ça doit être du cuir. C'est la marque The Bock que je ne connais pas du tout. À l'intérieur, vous avez une pochette zippée ici, sinon c'est une grande pochette. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué? Je vois qu'il y a une étiquette là. Alors. 100% laser. 100% laser. Donc laser, c'est de la peau, je crois. Donc oui, ça doit être du cuir. Ça sent le cuir de toute façon. Et vous avez également une petite pochette à l'arrière. Il y a un petit pompon au niveau de la fermeture éclair. Voilà, et sinon il y a une dragonne et vous avez le la hanse, la bandoulière qui est rétracte, enfin qui est avec une, comment on appelle ça, une boucle de ceinture. Donc voilà, et au niveau de la taille franchement c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer ça, mais le sac me plaît beaucoup. Je vous ai pas donné le prix du sac. Waouh. Waouh, 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 waouh. 79,50€ pour le sac. Après, c'est un sac en cuir. Hein. Voilà, les sacs en cuir, ça se paye. Il est très, très joli, par contre. Ah, vais-je craquer ou pas? Je vais essayer tout ça. Et je bon, je vous retrouve après pour faire le point un petit peu. La robe, c'est juste une catastrophe. Elle est pas belle du tout. Ça partait bien, mais au niveau de la coupe et tout, c'est juste pas possible. Ça ne me va pas du tout. C'est franchement pas joli. Franchement, non, 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 non. Le top bleu, c'est clair que ça ne me va pas. C'est trop long, ça coupe ma silhouette, ça me tasse. C'est pas joli. Et en plus, cette espèce de col officier, là, j'aime pas du tout. Je l'avais pourtant signalé plusieurs fois. Voilà. Le pantalon noir... Il est là, je ne l'ai même pas essayé parce que je trouve que c'est du foutage de gueule. J'en ai eu un la dernière fois et là on refait la même chose. On m'en remet un alors que j'avais dit que je ne voulais plus recevoir de pantalons de ce style là. Je trouve ça franchement désagréable. Et le t-shirt kaki, il est très bien mais il est trop grand. Donc voilà, le sac je l'aime beaucoup. Mais je me pose la question de savoir si je vais le garder ou pas. Parce que 79€ pour un sac, je trouve que c'est un poil cher. Et que je ne sais pas si je vais l'utiliser vraiment. Donc là actuellement, là tout de suite maintenant, je ne garderai rien de cette commande. Je suis très 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 déçue. J'adore recevoir la box Lookiero. J'adore être surprise par Lookiero. Là le changement de styliste, je pense que ça a fait beaucoup. Je pense que la styliste actuelle, si Virginie je crois, Virginie si tu passes par là, si tu commences chez Lookiero, essaie de voir un petit peu les antécédents des clients auxquels tu fais des box. Parce que sur ce coup là t'as foiré complètement. Voilà,
je n'en dirai pas plus. Je suis désolée pour vous de vous avoir fait cette vidéo en mode je suis pas contente, je suis pas contente, je suis pas contente. Quand je suis contente, je le dis. Je vous l'avais vu dans les précédentes box, il y a des trucs qui me plaisent, je le dis et je les porte et tout. Mais là, je suis vraiment, vraiment pas contente parce que c'est vraiment pas des trucs qui me vont. D'une et de deux, il n'y a pas le respect de la cliente, j'ai trouvé dans cette fois-là, de me remettre un pantalon en toile cirée noire alors que la dernière fois, j'en avais reçu un et que j'avais dit que je n'en voulais pas. Voilà, j'ai bien spécifié dans le truc qu'on remplit que ce n'était pas pour moi ce style de pantalon. Donc je trouve ça franchement dommage. Voilà, j'arrête là mon coup de gueule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je vais commander tout de suite une Click & Fit pour enlever ce désespoir de celle-là.